Santa Bhagavata Vedita, lai 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 lai. Santa Bhagavata Vedita, lai 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 lai. Mirai Marocchina, mirai, mirai, como vengo yo. Patrona de los mineros, mirai, mirai, Marocchina, mirai, mirai, como vengo yo. Après le plus terrible qu'il y a eu en Espagne, dans le nord de l'Espagne, il y a eu 17 morts. Et il y a eu cette chanson qui est devenue une chanson mondiale maintenant. Demain, normalement, il y aura un accordéoniste qui viendra. Il y aura la choriste qui chantera aussi, qui viendra à la fête aussi. Il y a l'accordéoniste et il y a quelqu'un qui viendra filmer aussi la fête. Donc vous très bien, ce serait bien de participer autant que vous pouvez, si vous pouvez chanter en même temps, ce serait très bien. Allez, on en fait une autre. Vous parlez ? On est là. Ouais, on est là, on est là. Oh, allez, on est là. De toute façon, demain, on la fera, on est là, c'est obligé. Hein. On est là, confinés, révoltés, on n'oublie pas. Tous ceux qui vont au charbon s'entassent dans les wagons et bossent sans protection. Là. On est là. Le retournement aussi. Je suis encore là. Voilà, et puis on verra la photo. Et je mettrai la photo de la pancarte en même temps. Voilà, très bien. Merci Rosie. On ne lâche rien. On ne lâche rien, absolument. À bientôt. Allez, à bientôt Rosie. À bientôt. Allez, bon, ben à demain. Allez, à demain. Bonsoir. Au revoir. On est là. Il va falloir voir où on se met. Marqué France 3. Mmh. Ah ouais. Ça fait filmer France 3. Voilà, j'ai filmé France 3. J'ai pas la télé moi, donc je connais pas. Passeranno, mi diranno che bel fior. Moi je l'entends de l'intérieur, mais c'est vrai que. Il a dit qu'il l'entendait bien. Oui, nous on l'entend bien, mais je vais filmer. Je suis en train de filmer. Thank you.
Non, je vous entends pas. Moi, je vous entends pas bien, en fait. Non, je vous entends pas bien. Moi aussi, je t'entends très mal. Et si... Je me mets à cette fenêtre. Ciao, la mattina, mi son svegliato. Io trova. Hein? Bah parce que c'est aux fenêtres, au balcon. Mais il peut y avoir. C'est vrai qu'on peut faire ça directement dans la rue, hein. Ouais, bon, on va faire ça directement dans la rue, je crois. Hein. 55. Ouais, il reste 5 minutes et il faut se dépêcher là. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 alla mattina mi son svegliato, gli ho trovato l'invaso. Toi, tu nous entends bien, toi. Mais tu préfères qu'on descende ou qu'on... qu'est-ce qu'on fait? Sinon, on descend, on se le fait tranquille. On descend? Allez, on descend. On est là! Thank you.
s'aime, on n'oublie pas, on pardonne pas. Bon, mais je vais les suivre maintenant. Ah, c'est le G, ok. Ah, ok, c'est ça, ok. D'accord. Ça fait toujours comme ça. Ah, ok, ok, ça va. Bon, alors, ça va. Je reste là. Nous, on est là. Ah, oui. Il y avait la Marseillaise, et nous, c'est on est là, tu vois, je trouve que c'est contre. Dans la coïncidence, au contraire, c'est que voilà, que le résultat, bah, tu voyais les gens, bah, on est là, c'était pas la Marseillaise, c'est on est là. Ça va? Ah, j'ai oublié les chats, attends. J'arrive. Loup vieille cisée, mythe par là-bas, des bonnes matines au portal. Et le soleil ou espéra bien les Caribéens passent. Acte 83, on est là et on lâche rien. Ma pancarte est à votre ici au lavage. Je viens tout, je vais la ranimer, vous inquiétez pas. Si je viens pas les stacks, tout est ligué. C'est pour d'aime pas cette. Voilà ce qu'on est devenus tous. Des moutons. Nous sommes tous devenus des moutons. Allez les moutons. Voilà ce que nous sommes devenus. Ils prennent ça à la rigolade, les gens. Ouais. Mais le jour où que les gens deviendront comme nous, pauvres, là ils comprendront. Là ils vont pleurer. Là ils vont venir aider. Ils vont faire la manche. Personne va donner. Personne. Si you les tiripera qui. Et tous les tirs c'est que tombo, et c'est poudre de l'Ura. Alors, c'est une chanson catalane qui veut dire. Qui s'appelle l'Estaca. Et ça, c'est, j'ai chanté en occitan. Moi, je connais la. Ça a été traduit dans plein de langues. Je connais en occitan. Et c'est. L'Estac, c'est un pieu. Un pieu, et dans la chanson, ils disent si tout le monde se met d'un côté de l'autre à tirer. Sur les cordes, pour faire tomber le pieu, il va tomber. Le pieu, ça représente le pouvoir. Voilà, c'est pour ça que je comptais chanter celui-là. Allez, on fait. On est là pour une des dernières fois, hein, il ne reste plus que demain. Je crois, avant le déconfinement. Après, c'est déconfiné. je sais pas, moi, je suis pas trop les médias, mais a priori, hein, moi, je travaille en tout cas. Allez, on est là. Confinés et révoltés, on n'oublie pas qu'ils ont tout privatisé, tout vendu aux financiers. Ça ne se passera plus comme ça, car on est là. Nous, on se revendique aujourd'hui comme étant toutes et tous des enfants de Zineb. Donc... Confinés et révoltés, on n'oublie pas les. Sans-abri, tous les enfants qui s'ennuient, les papis et les mamies, on n'oublie pas. Ni ça changera, car on est là. Allez, on fait bella ciao. Bella ciao. Allez, bella ciao. Encore une action. Et questo è il fiore. Del partigiano,
Mort au père la liberté. Bon, allez. Allez, bonne soirée, à demain. Ouais, dernier jour de confinement demain. Allez, au revoir. Au revoir. Non. J'ai appuyé déjà. Pas trouvé ? Non, j'ai pas trouvé. Ça me casse les burnes. Et en fait, tu filmes. Ah, moi, je suis super bien, franchement, c'est impressionnant. Ouais. Ça va, papa, pour une dernière. Ah, celle qui m'a fait. Celle qui m'a donné des frissons, c'est Bella Ciao. Je chante avec vous, je vous ai accompagné, je vous ai entendu. Ah, ouais, d'accord. Là, non, j'entendais pas. Non, surtout que je suis à l'extérieur, là, pour que ça. Ça va, tu filmes bien. Moi, je chantais super bien. Ouais, enfin, disons que. Puis là, ça fait un mois que je le fais tous les soirs, donc. Ça m'a un peu exercé parce que ça faisait un petit moment que je chantais. Peut-être pas, il a un petit peu crié. Oui, pendant les. T'as rien entendu. Si, ça j'entendais, bien sûr. D'ailleurs, j'ai repris Nous sommes tous des enfants de Marseille. Ah, j'ai entendu. Voilà, tous ces gens-là, ils connaissent pas du tout, c'est tout ça. Non, on parlait des retraites. Passe ton franchement. C'est bon, venez, c'est bon. Allez. Je disais, pour courir, ça doit être des fous. Et donc c'est un LBD qui t'a touché là. Eh oui, putain, tu vois bien l'impact. C'est pas une morsure de caniche hein. Putain, merde. Ouais. Même de plus près, comme ça. Hop. Voilà. Yeah.
Alors, puisque l'État français ferme les yeux sur les problèmes de négrophobie institutionnelle dans ce pays, vous savez, en tant que personne noire, en tant qu'afro-descendant, en tant qu'Africain, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, on a plus de chances de mourir sous les balles d'un policier parce que nous sommes noirs. Aujourd'hui, on nous tue à cause de nos couleurs de peau. C'est un problème racial. Nous subissons des problèmes parce que nous sommes noirs. Mais vous savez, ce n'est pas pour vous insulter, ce n'est pas pour manquer de respect, mais c'est tous des Africains. Et Dieu saint! Et Dieu saint! Alors, si vous l'acceptez et que vous reconnaissez ce que nous subissons, nous ne sommes pas là pour vous demander de nous aimer. Que vous nous aimez ou pas, nous, ce n'est pas un problème. La loi ne force personne à s'aimer. Mais ce que nous vous demandons, c'est de nous respecter. Le respect. Respectez-nous. C'est tout. Parce que moi, j'ai le pouvoir de détruire votre vie en tant que Français blanc. Est-ce que j'ai le pouvoir de détruire votre vie en tant que personne noire parce que vous êtes blanc? Mais l'institution, le système blanc a le pouvoir de me détruire parce que je suis noir. Et c'est ça que nous voulons faire comprendre. Il ne faut pas croire que les gens, quand ils vous disent la vérité, ce n'est pas de la haine anti-français, non. Nous voulons tous vivre en paix. Parce que c'est ça qui donne non pas une autorisation écrite, mais une autorisation psychologique pour qu'on puisse tuer des George Floyd, des Adama Traoré, des Lamitié, des Amadou Koumé. Parce que la police a intégré que la vie d'un noir ne valait rien. Le problème, c'est pas la police. Et attention, la police, c'est notre problème, c'est elle qui nous frappe. Mais c'est un bras téléguidé. Le problème, c'est l'État. L'État ne nous aime pas. Si, il y a la police. Mais là-bas, il y a l'Assemblée nationale. Et devant l'Assemblée nationale, il y a la statue de Colbert, le gros fils de pute qui a écrit le code noir. Le code noir qui a décidé que les Noirs n'étaient pas des êtres humains. Qui dit que les Noirs, on peut les tuer comme des chiens. La statue de Colbert, c'est la première. Et c'est la maison du